bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA, épisode 284. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Eh ben, ça va pas mal. Le temps se réchauffe. Oui, c'est bien ça qu'on va entendre ça dans trois semaines. Ça va être super intéressant. Ça sera réchauffé. Oui. Ça sera du réchauffé. Ça sera du réchauffé. Comme le temps. Voilà. Parfait. Je te disais, monsieur Stéphane, en intro, que moi, j'ai rien dans l'intro. Ah, moi, avant l'intro, justement. Oui, moi, à part les attaques de termites, voilà, termites volantes. Oh. J'ai l'option volante. Voilà, c'est comme la douane. Voilà, c'est ça. On arrive, là, tu bois une bière peinard. Puis tu sens un truc qui te gratouille, puis tu regardes le sol, il y en a partout, et tu regardes le mur, et ça te fait peur. Et tout ça, c'est arrivé en 2 minutes ou 3 minutes. J'espère que tu n'as pas eu de termites dans ta bière. Non, mais elle n'aime pas la bière. Ah, bah c'est bien, alors c'est pour ça. Ouais, mais moi non plus, je ne les aime pas. Et voilà. Monsieur Stéphane. Ça a été signalé en haut lieu. Ah, bon, très bien. Ben, on écoute le sonat de cette intro. Ben voilà. C'est peut-être l'intro la plus courte de l'histoire du podcast. Oui, bien sûr. Si, moi j'avais quelque chose, mais il faut que je fasse un peu plus de recherche. D'accord. Ça te dit un peu de taquinage artistique? Ah, peut-être, oui. J'ai lu sur les internouilles, comme dirait Monsieur Walter, qu'il y a un nouveau service qui vient d'être lancé à la Nouvelle-Orléans. Oui. Service de navette brasserie. Oh, c'est bien ça. C'est-à-dire une navette qui va de brasserie en brasserie et qui amène bien le quidam de brasserie en brasserie. C'est une bonne idée. N'est-ce pas? J'aimerais aller les voir au terminus, surtout les gens. Oui. Alors justement, ma question, c'est ça. Au terminus, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils les ramènent chez eux? Ou est-ce que, parce qu'après, tu prends pas la route? Ouais, non. Donc tu prends un Uber, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il fâche que. Chambre d'hôtel, tu peux rentrer à pied. Peut-être. Voilà, tout est prévu. Ouais, à pied, à Nouvelle-Orléans, en ce moment, le soir, je sais pas. Oui, c'est vrai. Bon. T'attends de navette, alors. Ouais, voilà. Donc justement, je vais faire un petit peu plus de recherche. D'accord, intéressant. Eh bien, Sonal de la bière de la semaine, et oui. Puis je vous la présente. Une bière de la Nouvelle-Orléans? Ou presque. Ouais, que l'on peut boire à pied? Oui. Ou en navette? Bien sûr. Ah ben voilà. Sonal. Monsieur Stéphane, après ce sonal, j'ai une question. On parlait de navette avant le sonal. Oui. Est-ce que c'est la femelle du navet? Absolument. Ah, d'accord. C'est la femme du navet. Ah oui? D'accord. C'est voilà. Madame Navet. C'est, voilà. Très bien. Eh bien, cette semaine, nous buvons dans l'émission, monsieur. Oui. Une bière que j'ai amenée. Oui, que j'ai vue. Oui. Que j'ai failli acheter. Oui, et que monsieur Thériault a chroniqué également. Ah, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. C'est la Triple Dog. De chez Habita, comme il dit. Le triple chien en français. Oui, le triple chien. Elle est inspirée par la Turbo Dog. Oui. Qui est la Brown Ale de chez Habitat, qui est très connue, qui est une de leurs bières les plus connues peut-être. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment qu'ils la font. Donc c'est une triple Brown Ale. Oui. C'est une 8%, monsieur, quand même. Ah, je m'en doutais. Ouais. Mm-hmm. Alors, les malts sont des malts pale, caramel et chocolate. Mm-hmm. Le houblon, c'est le Willamette. Oui. Et puis, elle est vieillie avec des gousses de vanille, monsieur. Ah, j'ai cru des gousses d'ail, là, je me suis dit. Non. Non, non. Alors, les goûts sont chocolat, les vanille. Les goûts sont dans la nature, oui. Oui. Chocolat. Oui. Vanille. Oui. Et toffee. Et toffee, ah, bien. Et c'est une série limitée pour l'hiver. Ah, oui, c'est bien parce qu'on sort de l'hiver, donc c'est juste au bon moment. Elle va tenir chaud au corps, j'ai l'impression. Ouais. Elle eût été parfaite la semaine dernière. Oui, il fait encore un peu frisquet quand même. Ouais, le matin, oui. Quand même. Et demain, il fera 12 le matin. Et puis plus du double l'après-midi. Voilà. Alors, c'est une bouteille, vous l'avez remarqué. Oui, vous l'avez entendu. Voilà. Moi, je vais l'ouvrir avec les dents pour faire légionnaire. Hein. Et ça sent bon.
C'est une brown ale impériale, monsieur. Ah ben ça, c'est une bonne idée. D'accord. Hop. Servissons-nous. Je commence le service. Allez-y. Première balle. Il y a un micro qui m'emmerde au milieu. Alors, pas mal, monsieur Stéphane, mais peut mieux faire. Oui, j'étais très ennuyé par... Après 283 épisodes, quand même. À mon tour. Oui. Oh, quelle belle couleur. Oui, tu es, vous la fites mousser, c'est ce que je voulais faire, mais je n'ai... Enfin, moi, j'ai un doigt de mousse, toi, tu en as deux, voire trois. Ça dépend de la largeur du doigt. Voilà, oui. C'est une mesure universelle, mais... Oh, elle est jolie. Mais variable. Elle est très jolie, oui. Oh là, couleur café. Ah oui. Que j'aime ta couleur café. Mousse mocha, évidemment, parce qu'on reste, on reste dans le domaine. Très intéressante, cette bière. Ouais, j'avais raison de vouloir l'acheter. Je n'ai pas acheté, pourquoi ? Je ne sais pas. Je dis que c'était peut-être un peu bourre-mitreux, n'est-ce pas ? Oui, peut-être un peu gadget. Ouais, voilà, ouais. 8 degrés, je ne sais pas si j'avais regardé le degré. Ouais. On n'a jamais fait la Turbo Dog. C'est vrai. J'ai jamais goûté, moi. Mais il va falloir la faire, alors. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi, pourquoi nous l'avons-nous jamais faite ? Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais acheté cette bière. Ouais. Mais moi aussi. Mais c'est un peu le problème avec Habitat, c'est que c'est toujours un peu au milieu du pont. Ouais. C'est jamais exceptionnel. Voilà, parfois, ça peut être exceptionnel. On a bu quelques bières exceptionnelles. Oui, c'est rare. Mais ça arrive, oui. Mais souvent, c'est un peu au milieu du pont. Ben, c'est ce que je disais à un auditeur qui va venir en vacances à Nouvelle-Orléans et qui m'a demandé, en message privé sur Facebook, quelles sont les brasseries à ne pas manquer. Et il posait la question d'Habitat. Je lui dis, je ne sais pas si tu viens, si tu fais un séjour très court... Habitat, c'est vraiment pas sur la liste. Le cadre est assez sympathique. C'est une autre Louisiane que la Louisiane où nous sommes. Mais c'est pas incontournable. C'est-à-dire qu'il y a des pins, P-I-N-S. C'est très frustrant à la brasserie puisque tu peux consommer, bien sûr, mais tu peux pas acheter les packs ou les choses comme ça. Ils te renvoient au Rouse's qui est peut-être à 6 km de là. Enfin, c'est assez frustrant, ouais. Alors, pour l'instant, elle a presque une tête de stout. Oui, oui, oui. Le stout au café, presque. Dans le nez, évidemment. On sent le toffee. Oui, on sent la vanille, bien sûr. Toffee, vanille. On ne sent pas forcément le café. Non. Chocolat, un peu. Oui, chocolat, un peu, oui. C'est ce qu'on sent. On sent vraiment le toffee, caramel. Oui. Hein? Ma mousse demeure, regarde. Ouais, regarde ma belle mousse. La mienne, elle a disparu. Mmh. Osons-nous plonger. Oui, ça fait bière de dessert, on est. Complètement. On y va ? Ouais. Oh. Yingling. Ah oui ! Oui, la Hershey's. Pareil. C'est sa sœur. En plus fort. En plus épicé, j'ai envie de dire. Mmh. Et en plus, un degré alcoolique plus élevé, ouais. Parce que l'autre tourne autour de 5, je crois, ou même pas. Ça l'offre presque le double. 8. Ouais. Tu me mets ça sous le nez, j'aurais du mal à faire la différence avec la Yingling. Ça fait gâteau au chocolat, je trouve. Alors, il y a, comme tu dis, un côté un peu plus épicé. Elle est un peu plus vive. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit plus vive que la Yingling. Côté citronné. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais, c'est très amusant, c'est Yingling ou quoi ? C'est le côté citronné qui l'empêche d'être trop sirupeuse. Voilà, exactement. C'est assez habile. Qui la rend vive. Ouais, c'est assez habile. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pâteuse, elle est vive. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt. C'est bien maîtrisé. Ouais. Mais c'est rigolo, on dirait un clone de la Yingling. Bon, nous avions apprécié la Yingling, donc celle-là, effectivement, on l'apprécie. Comme tu disais, c'est plutôt une bière de dessert. Alors, c'est dommage, on la boit presque à un ou deux jours. On avait du temps un peu maussade, là, la semaine dernière. C'est été la bière idéale. Eh bien non, je ne l'ai pas achetée. C'est dommage. Ouais.
Ah. Et j'ai la bière de la semaine prochaine d'ores et déjà dans ton frigo si tu ne la bois pas. Que je connais aussi. Parce que t'es assez coutumier. Quand voilà, même. Ben oui, t'es arrivé un accident de frigo dernièrement. Une bière qui de toute façon on pouvait pas la boire, c'était pas possible. Mais il y en a deux. C'est-à-dire que je t'en ai amené deux, tu les as bu les deux. Non. Ah si. Non, il n'y en avait qu'une. Ah non. Oui, non mais. Ah, ouais. Je t'en ai ramené une parce que t'avais bu la première. Voilà, c'est ça. Ça fait deux fois que je t'amène la même bière et que tu la bois par inadvertance, chers auditeurs. Voilà, par inadvertance. D'accord, hein, on va mettre des gros guillemets. À l'insu de mon plein gré. Voilà. Eh bien, j'avais une bière de même style, de même canette et. Non, c'est pas la même canette du tout. Si, elles sont blanches pareil. Oui, non, mais non. Parce que celle que je t'ai amenée, elle est blanche avec de. Tout est écrit en or. Ouais, ben l'autre, tout est. C'est Seventh Tap, et l'autre, toi, tu parles de Rally Cap avec du vert dessus. Non, c'est pratiquement. Non. Mais surtout quand t'as rien à voir. Surtout lorsqu'elle dépasse à peine le pack, là, Monsieur, vous êtes de mauvaise foi. Et donc, je l'ai pris. Oui, c'est ça. Et c'est au bout mince alors. Et c'est au bout de la deuxième gorgée, je me suis dit, mais c'est trop puissant pour être ce que c'est. Et là, je me suis aperçu de ma déconvenue. Non alors. De toute façon, on peut pas la boire, celle-là, c'est impossible. Il y a des bières comme ça qui échappent à la critique. Voilà. C'est barré en coulisses. Oh ben mince. Et en plus, c'était le même style de bière. Mais en plus fort, c'est tout. Oui, parce que c'était un stout blanc. Ouais, voilà. Justement, c'était pour parler du stout blanc dans l'émission, mais tu veux pas. Voilà, c'est un truc qu'on peut pas. Non. Non, j'essaie de retrouver l'autre, il faudra un stout blanc. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on dit de celle-ci? Alors, il y en a un peu plus alcooleux, un peu plus aussi de fruits cuits, prune. Mm-hmm. Un petit peu. À décantation, elle est très légèrement plus complexe que la Yingling. Très légèrement, bon. L'amertume amène du café. Ouais, oui, c'est un côté un petit peu terreux, mais on pouvait s'attendre à quelque chose de plus. Ça aurait été mieux si c'était allé dans ce sens-là. Bon, la différence, là où elle tranche un peu, c'est qu'elle a ce nez très léger de pruneau maintenant, tu vois, donc à l'évolution. Ouais, c'est tout à fait honorable. Ils nous ont pas fait n'importe quoi, parce que des fois, ils peuvent faire n'importe quoi. Est-ce que je vais en acheter? Peut-être, ce week-end. Mais comme le temps a l'air de changer, là, j'ai pas forcément envie. Je regrette de ne pas l'avoir acheté la semaine dernière, ça c'est sûr. C'est intéressant. C'est trop alcooleux pour moi. C'est trop élevé en degré. On n'est pas obligé de monter à 8 et quelques pour avoir une satisfaction. Non, justement, je la trouve un petit peu dangereuse parce qu'elle passe beaucoup trop complètement, facilement. Complètement. Ça, c'est une bière qui tu peut... Tu la siffles en 3... Ouais, deux temps 3 gorgées. Voilà. 3 gorgées. Ouais. Et après, t'es... Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu le problème. Sinon, c'est réussi. Voilà. Ouais, moi, je lui mettrai un bon 16 des familles. Bien solide. Hein, qu'est-ce que t'en penses? 16, c'est bien. Je mettrai exactement la même note. C'est-à-dire que c'est pas extravagant, on va pas courir et se mettre à hurler dans la rue. Un truc rétro. Passe un bon moment. En fin de bouche et pas en rétro-olfaction. J'avais un petit côté feu de bois. Oh. Qui m'a. Ça m'a bien plu. Donc ça, c'est peut-être le petit plus qui m'autorise à monter à 16,5. Et parce qu'il y a ce côté ça. Il y a ce côté assez. Ça, c'est assez un peu unique. Le reste, c'est assez basique. On peut retrouver des arômes identiques sur des bières à degré inférieur. Mais là, j'ai une petite sensation. Tu me dis, qu'est-ce que c'est ce truc un peu feu de bois, tu sais Et si on boit ça le week-end, M. Stéphane, c'est un week-end arôme. Ah oui. Week-end arôme. Ouais. Excusez-nous. Excusez-les, c'est n'importe quoi. C'est normal. N'importe quoi. Étienne Dahu qui s'est invité dans l'émission. Oh, absolument, qui nous écoute d'ailleurs. Ça, c'est pas mal, cette petite touche à la fin là, qui arrive en fond de bouche. C'est même pas la rétro-olfaction, c'est vraiment un petit côté que j'ai senti. Je me suis dit, ça me plaît. Voilà. Là, on peut comprendre la différence de degré. Oui, parce qu'elle est complexe quand même. Ouais. C'est vrai. Ne vous attendez pas à une brown ale lambda. Non. Il y a quand même il y a ta complexité derrière. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout, oui. Bah, ça me rappelle d'autres... La complexité faussaine. Voilà. On continue.
Ça te rappelle quoi, tu disais ? On peut entendre les tondeuses. Oui, bah, oui, en fond sonore. Concert de tondeuses. Voilà l'été, ça y est, ça arrive. Ouais. Ça te rappelle quelque chose, tu disais ? Oui, ça me rappelle. Je ne trouverai pas le nom aujourd'hui. Mais effectivement, des Imperial Stout, une bière autrichienne que nous buvions, qui était encore plus complexe, quand même, plus forte encore. Pas mal, oui, dans ce style-là, oui, ça me rappelle pas mal de trucs. C'est vraiment réussi. Je trouve qu'ils ont évité l'écueil du côté sirupeux. Oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une amertume franche et un côté, comme on le dit, un petit peu citronné, qui fait que, ben voilà, ça passe, ça n'est pas bourratif, écœurant. Non. Bravo. J'avais un petit peu peur que ça soit bourratif, écœurant, qu'au bout d'un moment, qu'on puisse pas la finir. Parce que ça arrive. Hein. Mm-hmm. Des bières dans ce style-là, où on te met des gousses de vanille, des machins, des bidules, de la noix de coco, des trucs, au bout d'un moment, ouais. Mais des bières dans ce style-là que je n'arrive pas à finir. Par exemple, beaucoup de stout, je suis désolé, mais vieillis en fût de bourbon, ouais, au bout d'un moment, je n'arrive pas à les finir. Au bout d'un moment, c'est... On va venir la recette de loin. Ouais. Oui, la CBS, la Canadian Breakfast Stout, ou surtout, comment elle s'appelle celle-là ? La Kentucky. Oui, voilà, KBS, ouais. Voilà, c'est ça. La KBS, je crois que je n'en ai pas fini une seule. Ouais. Je n'arrive pas à les finir. Après, parce que c'est pâteux. Ouais, c'est comme la cuisine un petit peu parfois très traditionnelle. Il n'y a que du bon. Ouais. Quand tu mets, oui, au bon moment, oui, c'est forcément bon quand il n'y a que du bon. Mais bon, au bout d'un moment, c'est trop. Non, voilà. Là, c'est très bien. Oui, parce que sur la langue, elle est pétillante, crispy, pétillante en même temps. Ce qui apporte de la légèreté. C'est réussi. Ouais, je vais mettre les 16,5, c'est ce que je disais. Bon, voilà. Je vais maintenir cette note-là. Bon, j'aurais fait une bonne pioche si je l'avais acheté. Maintenant, vais-je l'acheter ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je crois que mon épouse va bien l'aimer aussi. Oui, oui. C'est son style de bière, ça. Elle va se régaler. Eh bien, voilà, 16 pour moi, 16,5 pour toi. Oui, bon, le problème avec ce style de bière, c'est que tu as l'impression de devenir un sumo à chaque verre. Bon, voilà, c'est un petit peu le truc. Donc, quand les températures se réchauffent... Ouais, c'est pour ça qu'ils ne la sortent qu'en hiver. Ils devraient vraiment la sortir ici, décembre, janvier, voilà. Oui, c'est dans ces eaux-là qu'ils la sortent, je crois que c'est novembre, décembre, un truc comme ça. Ben voilà, Monsieur Stéphane, alors on écoute le sonal du conseil de voyage et on s'en reparle après ? Bien sûr ! C'est parti ! Voilà, Monsieur Stéphane, après ce sonal du conseil de voyage, on continue dans mes fun facts sur la Louisiane. La plus ancienne ville de Louisiane, qui fait partie du territoire d'avant la vente aux Américains, donc le Louisiana Purchase, comme ils appellent ça ici. Oui. En France, on appelle ça la vente, ici, on appelle ça, bien sûr, l'achat. Mm-hmm. C'est normal. C'est Natchitoches. Oui, j'y suis allé. Qui a été fondée, monsieur, en 1714. Mais nous y étions. C'est fou, ça. Oui, j'y suis allé. 1714. Alors, Natchitoches, si vous le voyez écrit, c'est pas évident que ça se prononce comme ça. Ça s'écrit... Ça s'écrit Natchitoches. C'est ça, oui, c'est absolument pas... Ça se prononce Natchitoches. Natchitoches, c'est ça, c'est des mots, indiens. Bien sûr. Vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Alors, vous le sachiez-tu, monsieur ? Oui, pour y être allé, oui. Que c'était la plus vieille ville de Louisiane ? Non, ça, je savais pas que c'était la plus vieille ville de Louisiane, mais j'y ai traîné ma maman, n'est-ce pas ? Ouais. Alors, c'est amusant parce qu'il y a... Un bord de rivière qui rappellerait un peu la rue de la République en France, tu vois. Ouais. Là, tu te croirais presque en France, tu vois. Et alors, ils ont mis des restaurants, et beaucoup de restaurants, de magasins. Et l'espace d'un instant, tu te crois vraiment en France. Ah bon? Ouais, dans d'autres endroits moins, mais là, il y a une très longue rue qui a pour mérite de ressembler à une rue française basique, tu vois. De bord de rivière, mais on dirait c'est très touchant. Et tu as un petit sentiment d'Europe quand tu vas dans cette ville-là, bon, sur très très courte distance, évidemment. Et bon, c'est un des rares endroits où si tu ne réserves pas pour manger, le soir, tu peux pas manger. Ah bon ?
J'étais à la période, oui, bon, j'étais à la période de Noël également. Ah, bah oui, quand même. Où il y a des illuminations qui rappellent également les illuminations qu'on a en France, quoi. C'est c'est assez intéressant. J'aime beaucoup, là. Rien qu'il y pensait, je me dis, tiens, faudrait que j'y retourne. C'est pas forcément à côté d'ici, hein. C'est bien 6 heures de route, quand même. À s'y déplacer, il faut vivre en Louisiane depuis plus de 10 ans, tu vois, parce que bon, c'est pas non plus. Oui, c'est pas incontournable. C'est pas du tout incontournable, mais si tu as la possibilité de se situer vers Lafayette, les gens qui nous écoutent de Lafayette, ouais, aller passer un week-end, voilà, tu vois, tu peux réserver bon. Une. Ouais, mais. C'est pas obligé non plus. Ouais, bon, si, bon, ils ont une brasserie. C'est quoi? Laquelle? Ouais, j'avais bu un truc local où c'était pas terrible. Ah bon? C'était pas terrible du tout. Vraiment pas. Tu te souviens pas du nom de la brasserie? Non, tant mieux d'ailleurs. ouais, c'était vraiment pas terrible. Non, vraiment pas. Et je sais que nous étions réfugiés, oui, dans un restaurant japonais qui, bon, eux, il n'y a pas de réservation, c'était excellent, tu vois, mais tous les autres restos étaient... Plein à craquer, quoi. Bon, c'est intéressant. Ouais, mais il faut évidemment le voir avec. Il faut avoir un manque d'Europe. Alors, quand tu viens d'Europe, que tu es un touriste. Oui, non, c'est pas. C'est pas forcément. C'est pour ça que je dis que pour les touristes, c'est pas incontournable du tout. Non, parce que il y a des millions de villes comme ça, des milliers, voilà. Pas faire en Marseille, le cas, hein. Des milliers sans aucun problème entre la France et la Belgique, et puis d'autres parties d'Europe. Mais justement, les gens qui viennent d'Europe, c'est pas parce qu'ils sont en manque d'Europe. Voilà, justement, ils veulent se dépayser. Ouais, exactement. Ouais, donc ça marche pas, ça. Mm-hmm. Non, il faut être américain, ou il faut être. Comme nous, expatriés de pays. Puis j'avais envie de voir. Puis bon, je ne suis pas allé que là. Parce que le reste, après, c'est vraiment une ville américaine. Hein. Mmh. Bon, une fois que tu passes cette rue et quelques rues adjacentes, vraiment, c'est tout petit. Mais bon, c'est la France. Voilà. 1714. Voilà. Notre jouet. Absolument. On passe au coup de cœur. Oui, mon coup de cœur est capillaire. Oh, capillaire. Capillaire. Capillotade. Voilà, bon, je suis sur YouTube, des coiffeurs un petit peu allumés. Capillaire de rien. Voilà, capillaire de rien, mais quand même, qui sont originaires de Rotterdam. Oui. Ils ont l'anglais parfait, mais quand même un peu rotterdamois, quoi, hein, tu vois, quand ils parlent. Et bon, comme c'est des Bataves, n'est-ce pas, les Bataves, ils savent beaucoup de succès au niveau commercial. Oui. Donc, c'est des coiffeurs, des barbiers, mais ils ont lancé une gamme de produits que tu trouves même ici, partout. Est-ce que c'est Rödzel? Voilà. Ma coiffeuse en avait, je me suis fait couper les cheveux hier, elle avait un je sais pas quoi de Rödzel. Moi aussi, je me suis fait couper les cheveux hier. C'est bizarre, bah dis donc. Bah, dites-moi. On est sur le même emploi du temps. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. Et ça va vraiment plaire aux auditeurs. Si oh, ça, tu te rends compte, j'écoute un podcast, ils se font couper les cheveux le même jour. Ah, c'est incroyable. Bon, Rödzel, pourquoi? Rödzel, je les suis sur Internet et tout ça. Ils avaient... Et le problème, c'est le prix. Watch! Ah oui, quand même. $22 le petit flacon. Là. Mais c'est quoi? Alors, ça s'écrit R-E-U-Z-E-L. D'accord. Celui-là, encore plus petit. Bon! Ah oui, quand même. $12. Bon, c'est des. Celui-là, c'est un shot. Voilà, c'est des. Comment tu vas sur Amazon, c'est les mêmes prix. Alors, c'est quoi? Tu fais l'article? Le deuxième, n'est-ce pas, il est tout petit, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on appelle un conditionnaire, hein, tu vois. D'accord. C'est le mec qui te conditionne. Vas-y, ouais! Allez, tu vas te lever ce matin. Allez, je le sens, c'est ta journée. Non, c'est un peu comme Petrolane, on va dire, voilà. D'accord. Pour faire très très simple. C'est pour faire quoi pour les cheveux? Ben, c'est justement pour les vivifier, pour pouvoir les mieux coiffer, n'est-ce pas? Ouais. Oh. Voyez-vous, bon, à ce prix-là, je sais pas, à chaque communion ou mariage, tu vois, parce qu'à $12 le petit flacon, comme ça. Bon, ça imite des produits américains qui existent déjà, mais j'ai voulu voir. Bon, celui-là, je l'ai pas encore testé. Et puis après, il y en a un autre. Elle me disait, ouais, mais ça, c'est plutôt ce que nous, on utilise. Enfin, bon, voilà, j'ai fait, oui, moi, je veux utiliser. Ah, c'est bleu, c'est... Ça, c'est bleu alimentaire, quoi. C'est, ouais. C'est bleu Petrolane. C'est quoi, c'est marqué en français dessus? Ah, mais évidemment, la France, c'est la part. Tonique pour les cheveux. Voilà, tonique pour les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Derrière, c'est marqué en français aussi. Hein. Et c'est pour faire quoi? C'est marqué à tout petit. Mais ça, c'est pareil. Bon, c'est à peu près le. Tu nous expliques pourquoi on mettrait ça sur les cheveux? Alors, pourquoi j'ai mis ça hier après la coupe de cheveux? Donc,
J'ai bien fait attention de ne pas tomber sur celle qui massacre les cheveux. Mmh. Parce qu'elles sont deux, une qui coupe très bien et une qui massacre. Et d'ailleurs, celle qui massacre, ne fait pas que me massacrer moi. Il y avait un gamin, tu sais, je sais pas, il va avoir 8-9 ans. Alors, on lui fait une coupe, et après, sa mère lui fait « Alors, ça va, ça te plaît ?» Quand le gamin, il part dans ses bras, il se met à pleurer. Bon, d'accord. Là, tu te dis, et tiens, l'autre coiffeuse, il n'a pas aimé. Ah, ouf. Mais non, elle vient de se faire massacrer, c'est pour ça que j'ai évité d'aller avec elle, voyez-vous. Mais tu ne peux pas demander la coiffeuse spécialement? Non, mais si. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Bah, attends, oui. Ça va, je ne suis pas fou. D'ailleurs. Ah non, parce qu'il y en a une qui te massacre la tranche. Bon, l'autre, bon, voilà, bon, elle m'a coupé les cheveux, elle ne m'a pas coiffé. Et après, quand j'ai voulu me coiffer le soir, je faisais comme ça. Tiens, je vais utiliser un peu ce produit pour voir. Ah, c'était bien. Ouais, ça t'a fait quoi? Tu expliques. Ça m'a fait quoi? Ça m'a plaqué les cheveux, c'est tout. Ça m'a fait une impulsion de jouissance intérieure. Voilà, bon, c'est... Réalisation de soi-même. Personnelle. Là, j'ai compris que j'étais un être différent. Cette notion. Voilà. Donc, tu as fait un avec l'univers. Voilà, l'univers et moi, nous ne faisions plus qu'un. Avec les termites, on était devenus amis. Elle volait tout autour de mon corps, là, c'était formidable, quoi, tout autour de mes cheveux, quoi. Elle me faisait une couronne de laurier, quoi, tu vois, tout ça, bon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Et donc, voilà. Bon, ce qui m'amuse, c'est que, ils sont spécialisés plutôt dans les pompes à lourds, les trucs comme ça, tu vois. Ils prennent des, oui. Ce qu'ils aiment faire, c'est prendre des mecs qui ont des coiffures n'importe qu'est-ce, et après, bon, souvent, ils finissent en pompes à lourds. Bon, ils font pas que ça. Ils font énormément de choses. Et, ils sont connus dans le monde entier, parce que ces deux types, ils prennent l'avion, n'est-ce pas? Mmh. Ils vont en Afrique du Sud, ils arrivent. Oh, hein. C'est les stars? Ouais, ouais. Et ils arrivent et ils font une coupe de cheveux devant tout le monde, ils expliquent. Alors là, vous voyez. Ils vont jusqu'en Afrique du Sud pour faire une coupe de cheveux. Ils sont déjà allés aux États-Unis. T'es en pleine crise climatique, quand même. Quand même. T'es dedans. Ouais, non, mais. Des agneaux, des Néo-Zélandais. D'accord, ouais. Mais une coupe de cheveux, mais Peut-être avec un échange avec les agneaux néo-zélandais. Ah, peut-être. Tu vois. Ah, peut-être. Voilà. Peut-être qu'ils repartent avec des agneaux. Voilà, je sais, ouais. Voilà, d'accord. Oui. Il doit y avoir un truc comme mais ça. Bon, pour j'espère. Dire. Voilà. Donc, ils vont un peu partout, dans le monde, oui. Peut-être qu'ils font comme la France, qui ne fait plus de pâtes. Ah. Et qui prend du blé. Qui l'amène par camion en Italie pour faire des pâtes et qui ramène les pâtes en avion, en camion. C'est bien. C'est bien, ça. Bah oui, c'est bien. Hein, c'est pour l'environnement, c'est bien. Bah, évidemment. Peut-être ils font ça. Et les pâtes au diesel, c'est peut-être, peut-être quelque chose qui est intéressant. Non, mais moi, je dis ça, je donne des idées. Voilà, ben oui. Pour le réchauffement climatique. Ben voilà, mais c'est une bonne idée. Donc peut-être ils font ça. Peut-être qu'ils vont chercher des agneaux en Afrique du Sud. Ils en profitent pour faire une coupe de cheveux. Je pense, en même temps, ils font la tonte des moutons, tu vois. Ah, tu vois, mais oui, mais c'est pas bête. Ça me paraît, voilà. Ah, c'est évident. Voilà, c'est. C'est logique. Ah, c'est pas bête, ça. Voilà, voilà. Ah, mais c'est bien. Donc, c'est leur magasin principal, leur comment on appelle ça, leur salon, n'est-ce pas? Oui. Est à Rotterdam. Et ma fille, à un moment donné, vivait aux Pays-Bas. Je me disais, tiens, bon, bah, le problème, c'est que même si c'est un petit pays, c'est quand même assez loin, Amsterdam, Rotterdam. C'est un petit pays, mais c'est loin. Voilà, mais c'est loin, quand même. Bon, surtout pour aller voir des coiffeurs, tu vois. Oui, quand même, oui. Mon Dieu, mais vous coiffez bien. Hein. Et voilà, donc, voilà. Bon, ça m'amusait, d'ailleurs, je leur ai dit, ces braves dames. Ouais, je les suis sur Facebook, non pas sur Facebook, non, j'ai fait dire n'importe quoi. Je les suis sur YouTube, et, ah ouais, c'est vrai qu'ils sont amusants, tout ça. Il y en a une sur les deux, bon, toujours la même, qui avait l'air de découvrir, ça. Mm-hmm. Bon, alors, l'odeur d'un des deux, c'est vraiment, il y a des critiques, enfin, des critiques faites par des capiculteurs américains qui disent, ça sent super bon, mais c'est plus européen au niveau de l'odeur qu'américain. Ah, ah, alors, quelle est la différence entre les deux odeurs? Alors le deuxième, la bleue, là, le deuxième, quand je l'ai pas ouvert, à mon avis, il n'y a pas d'odeur. Le deuxième, la bleue, bah, je vais l'ouvrir. Ça, et ça fait un peu de truc pour les WC, et tu vous sais. Allez, mais c'est fait pour les WC. Et vous allez déguster, donc vous allez la boire. Oh, ah ouais, d'accord, ok. Ça fait un peu style brut de Fabergé, voilà, un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, donc c'est pas tu mal. Te mets du brut de Fabergé. Dans les cheveux. Voilà. Et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est plutôt rhum, bay rhum, j'imagine. Ouais, rhum épicé, oui, non? Oui, parce que bon, ils ont rien inventé, ces rhum, genre. Vu la couleur, voyons. C'est un peu plus chiotte, là. Ah ouais, d'accord. C'est un peu plus chiotte. Ah, tiens. Je vais mettre de l'eau de chiotte dans mes cheveux. On fait Tonic USA cette semaine. Alors, au niveau de la couleur vraiment dorée. Ah, c'est bizarre. Ouais.
couleur. J'arrive pas à placer l'odeur. Ouais, moi aussi, ça fait chiotte pour moi un peu. Oui, ça fait un peu ça, ouais. Voilà, ça fait. Tu sais, les désodorisants de toilette. C'est ça, c'est. Je vais mettre ça sur les cheveux, je vais sentir le chiotte, ouais. Ouais, c'est possible. Bon, heureusement, il me reste du pétrolone. Moi, je pense que tu vas emballer, Stéphane, dès que tu vas mettre mais ça sur les cheveux. Vraiment, ça fait odeur de chiotte. Moi, je pense que les femmes vont tomber. Ça fait faux pot pourri, ça fait surtout pourri plus que pot. Exact, c'est plus pourri que pot, ouais. Ah, ben voilà, alors aujourd'hui, on fait dégustation de produits cosmétiques. Ouais, moi, je pense qu'il faut que tu fasses attention où tu vas après te mettre ça dans les cheveux, ouais. Parce que les femmes vont te suivre. Ou alors les termites. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Bon, c'est un risque à prendre, quoi. C'est un risque à prendre. Donc il faut amener sa bombe anti-thermite. Voilà. Magnifique. Rodzell. Voilà, c'est un épisode vraiment olfactif. Dis n'importe quoi. Bon, il est temps que je ramène un petit peu cet épisode. Oui, quand même. Quelque chose un peu plus sérieux. Il s'agit quoi ? D'un savon de toilette. Oui. Voilà. Non, il s'agit de Jamie Wyatt. Oui. Que vous entendez démarrer avec Back to the Country. Oh, yeah. Est-ce que ça vous a plu, ça ? Oui, c'était country soul. Oui, n'est-ce pas ? Ouais. Moi, plus, c'est l'image de la jeune femme. Avec ses dents qui sont assez bizarres, je ne sais pas si tu as vu ses dents. Bizarres, des dents. Ah, oui, c'est... Est-ce que vous êtes dente ? Est-ce que vous êtes dent Dantesque, peut-être. Dantesque. Non, mais tu sais ce que faisaient les chanteurs de soul et de blues. Antidantesque. Tu vois, ils se mettent des diamants dans les dents, ah, des oui. trucs comme ça. Donc, elle avait des brillants. Ah, du tout ? Ouais, ça faisait un peu bizarre. Ah bon, je n'ai pas marqué. Ah, ouais, moi, j'ai regardé la pochette, c'est bizarre. Mais c'est qu'un détail. Voilà. Voilà, moi, j'ai les cheveux qui vont sentir le chiotte, les dents, les dents qu'on dirait pourries. Mais enfin, au 21e siècle, monsieur Stéphane, ouais, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, évidemment. On n'est pas là pour juger. Voilà. Alors, sortie de son dernier album Feel Good, oui. qui est sorti l'année dernière. Mm-hmm. Ce morceau, je trouve que est extrêmement 70, oui. stonien, southern rock presque. Ouais. C'est son troisième album, la production organique, j'ai trouvé, des années 70. Il faut que tu écoutes le reste de l'album, ça va beaucoup te plaire. Ouais, j'ai essayé. Parce qu'il y a de la soul, il y a beaucoup de soul. Manière, évidemment. Et voilà, manière. N'importe quoi. Ça, on l'a fait à chaque fois. Ouais. J'ai réalisé, en faisant des recherches, monsieur Stéphane, que son dernier album avait été enregistré avec Adrian Quesada. Ah, voilà. Tu te souviens d'Adrian Quesada ? Bien sûr, fromager célèbre. Non, il fait partie de Black Pumas. Ah oui. Voilà, d'accord. Mais tout est dans tout et réciproquement. Voilà, tout le monde se tient, voilà. Absolument. Et tu sais que son deuxième album, alors l'album est ultra groovy, son troisième album. C'est morceau en tout cas. Oui, son deuxième album avait été produit par Shooter Jennings. Ah, oh. Donc tu vois. Ça va quoi. Le monde est petit. Ça va. Oui, ça s'embête pas quand même. Mmh. Elle est née à Los Angeles, elle a grandi... Ah, j'ai vu, elle a une fiche Wikipédia, la dame. Ah oui ? Ouais. D'accord. Ouais, ça j'ai lu. Elle a grandi à Washington, alors je ne sais pas si c'est l'État de Washington ou Washington DC, ça, voilà, ils n'ont pas précisé. Et puis maintenant, elle habite à Nashville, bien sûr. Mm-hmm. Et puis c'est tout. J'ai trouvé ça très joli. Ouais. Bon, il y a des relents de Sweet Home Alabama, quand même. Oui. Un petit peu. Ce qui est amusant, c'est que, bon, on a fait le deuxième épisode, on peut le revanter. Oui. Le Country Music USA. Oui, c'est sorti il y a 3 semaines, mais voilà. Oui, bien sûr. C'est que maintenant, lorsqu'on va aller bon, dans les années... On s'est arrêté donc en 1990, 90, 2000, je pense qu'on va pouvoir trouver des trucs qui étaient à la fois dans les charts et donc très populaires et qui étaient intéressants au niveau country. On va pouvoir faire 2000-2010. Mmh. Mais après... Difficilement. Mais après, qu'est-ce que tu veux ? C'est la daube. Oui. Voilà. Donc on ne va pas en parler. C'est vraiment de la daubasse... La genre. Scène alternative, on peut parler. Et voilà, c'est ça le problème. Mais la scène alternative, ce sont nos goûts. C'est une niche. Ouais. C'est pas le tout venant que tu allumes la radio country. Alors, ce qu'on a fait pour les années 80, c'était complètement ça. C'était, tu tournais la radio, tu avais ça. On va pouvoir le faire aussi dans les années 90, 2000. Et puis après, on va vous faire en 2000-2010. Puis on va s'arrêter là. Parce que après, c'est Dobas sur Dobas. Ou. Alors, on peut faire un épisode spécial country alternative. Voilà, parce que il faut savoir que la country alternative, ça touche un public ciblé, ça n'empêche pas les gens de tourner aux États-Unis et bien ailleurs aussi. Parce que Dale Watson, c'est le genre à tourner aux Pays-Bas, en Angleterre, en Australie, alors que les grosses pointures de la country d'Obas, souvent, ils restent dans le sud des États-Unis. Enfin, voilà. Donc c'est le marché de cette musique-là a totalement changé. Quand on a joué donc l'épisode sur les années 80, c'était le tout venant. Moi, je me retrouvais en amitié, en amour avec facilement 30-40, que dis-je, non, 60% du top 50.
On a eu encore, il y a, j'ai réécouté des trucs qui sont très sympas dans les années entre 2000 et 2010. Mais après, on a eu un tombereau de trucs qui n'étaient pas country ou qui, je sais pas, bon, peu importe. Et à côté de ça, des gens qui revenaient à la country, même carrément du honky-tonk, ah oui, que toi tu écoutes sur une radio, mais qui est qu'une radio qui diffuse dans le monde entier. Mais si tu en parles, si tu parles ces artistes à mes voisins, ils connaissent pas. Voilà, ils connaissent pas. Non. Alors que lorsqu'on a fait l'épisode des années 80, ils connaissaient tous ces bien artistes. Sûr. Tu vois, voilà. Tu sais qui on a oublié dans les années 80, My Love It. C'est vrai. Et ça faisait. C'est vrai. C'était. Moi, j'étais pas super fan. Bon, c'est peut-être pour ça. J'adore, moi. C'est country and tello là. C'était. Ouais. Mais lui, aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise dans la country alternative. Ah oui. Ouais. Donc, on fera années 90 bientôt. Ouais. On le promet. On n'atteindra pas 5 ans. Mais on. Je pense qu'on a. On ira jusqu'à 2010, puis après 2010, on vous dira... si, parce qu'il y a des trucs, bon, Big Henry... Oui, oui. Kenny... Oui. Le Tim, il y a des trucs amusants du Tim. Oui. Tim McGraw. Son épouse, son premier morceau était assez sympathique. Il faut voir si c'est pas en 90, son truc. Gary Allan. Oui, voilà. Des trucs qu'on écoutait quand on est arrivé. Dirks... Dirks Bentley, ah oui. Bentley, voilà. Ça, c'est bien. Joey Nichols. Oui. Donc, il y a des choses, effectivement, qui sont, vous balance des noms, peut-être que vous ne connaissez pas. Ils sont tous dans l'annuaire. Voilà, pas jaune. On vous en parlera plus tard, en détail. Mais à partir de 2010, on va peut-être avoir un Rodney Crowell qui a été à la fois dans les charts. Peut-être, et encore pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc là, peut-être qu'on fera un épisode spécial en vous précisant que ces artistes sont parfois plus connus en France. Oui. Je pense à Eddie Railers, des trucs comme ça. Quoi. Des gens comme Charlie Crockett. Voilà, qui sont plus connus par des femmes de cette musique à travers le monde, en définitive, mais qui sont. Ils peuvent se balader dans la rue, personne ne leur sautera dessus, quoi, par exemple. C'est pas, ils ne sont pas connus de nos voisins respectifs. C'est devenu une niche. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Ça veut dire qu'on passe quand même. Quand même. Concept. Carrément, concept de l'émission, quoi. Eh bien, le concept de l'émission également, M. Stéphane, oui. C'est le San Pellegrino. Évidemment. Oui. Ça, bon, le seul état mobile du monde, vous connaissez. Absolument. San Pé. Jean-Michel, cette semaine, dans notre grenier à musique, qu'avons-nous trouvé ? Nous avons trouvé, je ne sais pas. Eh bien, nous avons trouvé une version en anglais d'un morceau très connu de notre artiste national. En anglais. Je pouffe. De notre artiste, bien sûr, Sergio Alpaca. Alors, nous écoutons, j'imagine, d'abord cette version en anglais. Oui. Avant d'écouter la version qui, je n'en doute pas, en français, est bien meilleure. Bien sûr. I'm living my life like a good homo sapien. But all around me everybody's multiplying, and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape man. I think I'm so educated and I'm so civilized, cause I'm a strict vegetarian. Population and inflation and starvation and the crazy politicians. I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. Ça ne vaut pas la version de Sergio quand même. Il n'y a même pas de comparaison possible. On est bien d'accord. Dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau.
Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau. Quand leurs maris s'en vont, elles trouvent ça normal que je fasse pour eux le devoir conjugal. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Même quand c'est pas par moi, tous les maris trompés me traitent de salaud. Je fais ce que je peux pour leur éviter ça. Si leur femme s'ennuie, c'est pas ma faute à moi. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. San Pedro, qui me dira pourquoi. Et voilà, monsieur Stéphane, est-ce qu'on passe, après le 100p, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand on a besoin d'argent. Quand même. Aujourd'hui, sur France Biture, et avec nos partenaires podcut.studio et patreon.com/podcut, nous allons à la rencontre d'un artiste singulier, Camille. L'odorat. Le toucher. Louis. Le goût. Oh. Oh, la vue. Eh bien, merci Camille et les cinq sens. Voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Émission dans laquelle on a goûté, ma foi, une Imperial Brown Ale, pas mal. Pas mal, vraiment. Honorable. Une bière honorable, intéressante. Bon, je ne me lèverai pas la nuit pour aller la chercher. Non. Surtout que je pourrais le faire. Bon, ils ne sont pas ouverts la nuit. Ils sont ouverts jusqu'à 10h du soir. Même pas à 9h du soir, le Rouse à côté. C'est mention honorable. Oui. Voilà. Ça passe le bac, ça. Ça passe facilement le bac. Oui. Alors, bon, c'est pas le genre de réussi au bac, pardon, parce que je dis pas comme en anglais. Voilà. C'est réussi au bac. Réussi. C'est accepté. Accepté, ouais. Non, c'est intéressant. C'est une bière... revigorante. Oui. C'est bien réussi, c'est bien fait. Oui. Voilà. Donc maintenant, la question éternelle, vais-je en racheter ? Ah, est-ce que c'est un rachat, monsieur ? Ouais, voilà, c'est lié au temps. Voilà. Oui, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le degré. Oui, 8 degrés, t'es vite couché. Hein. Tu ne peux pas te permettre de te faire un six-pack, ouais ! Non, et surtout pas, bon, déjà pas de deux coups sur coup, mais en semaine, par exemple, moi, je ne boirais pas ça en semaine, maintenant. Ouais, c'est trop... Je suis trop vieux pour boire ça en semaine. C'est trop lourdingue. Ouais. Enfin, c'est pas que c'est lourdingue, c'est le degré. Oui, c'est le degré. Non, c'est bon. Sinon, la bière en elle-même est réussie. Oui. Mais voilà, bon, on avait peur de tomber dans le gadget. Non, parce que Habitat, ils nous ont habitués à faire des gadgets, quand ouais, même. Ouais, parfois, oui, bien avec... Bubblegum. Bubblegum. J'aurais arrivé à en faire d'excellentes. Ouais, mention honorable. Oui. Mention honorable également à nos réseaux qui sont Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et il m'en manque toujours un, Threads. Et la poste. Oui, bien sûr, voilà. binususa@gmail.com si vous voulez nous envoyer des messages. Mm-hmm. Et puis c'est à peu près tout. On va vous rappeler qu'on est là tous les mardis, mais que vous pouvez nous écouter quand vous voulez. Oui. Et on vous remercie d'être à l'écoute justement chaque semaine. Voilà, nous sommes également sur le Minitel, 3615 Binous. Hein. Absolument. Mm-hmm. On vous rappelle, on en a parlé tout à l'heure, mais on vous rappelle qu'on a sorti le volume 2 de Country Music USS. Oui, attention là. Eh oui, cours de rattrapage. Mais évidemment, attention, il y aura interrogation écrite. On va faire les années 90 bientôt. Bientôt, on va attendre 5 ans quoi. Voilà, 2029. Voilà. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La semaine prochaine, la bière est déjà dans le frigo. Oui. Pas de surprise. Je la connais. Oui, tu l'as déjà goûté? Mmh. Ah bon? Je la trouve, oui, bien sûr. Oui, ah oui. Bon? Bah, moi non. Ah bon? Non. Ah, mais je n'en dis pas plus. Ah bon? Mmh. Bah, très bien. Bah, ce que tu vas nous dire, c'est quand même le mot de la fin, à moins que tu aies autre chose à dire. Hein. Non, nous sommes une année bisextile, ça peut intéresser les gens. Ah bon? Voilà. Tu ne savais pas? Bah, en fait, c'est une année d'élection américaine, donc je crois que ça correspond à chaque fois avec les années bisextiles, parce que c'est tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans. Ouais. Et c'est aussi, il y a une année, je ne sais pas, c'est pas les Jeux Olympiques aussi?
Ben oui. Voilà. Voilà. Et tout ça tombe tous les 4 ans. Voilà, mais c'est formidable. Il paraît que je ne sais plus quelle année, dans les années 90, s'il vous reste un calendrier de cette année-là, oui. C'est exactement ouais. Le même calendrier que cette année. Exactement. Même les seins, ils n'ont pas changé. Formidable. Oui, donc je prévois une activité amusante avec mes élèves. Oui. Faire un papier, on dira au revoir 29 février, à dans 4 ans. Parce que pour les enfants, pour qu'ils retiennent ce genre d'événements importants, il faut leur dire, là, tu vois, tu es en deuxième grade. La prochaine fois, tu seras en sixième grade. Oh, oh, oh. Voilà. C'est-à-dire, tu ne seras même pas dans l'école d'après, tu seras déjà, ce qu'on appelle en français, au collège. Voilà. Voilà. Là, tu es en CE1 et tu vas être au collège. Si je ne me trompe pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc oui, voilà, on est bisextile. On est bisextile, élection américaine, voilà. Et comme je l'ai dit... Donc on va boire une bière bisextile. Ah bon? Ah ben forcément, il va falloir en trouver une. Une bière bisextile. Une bière qui n'est faite que tous les 4 ans. Ça n'existe ah, pas. Ah bon, si, ça peut être trouvé ça. Oui, à mon avis, non. Eh bien voilà, non, c'est ça, tout. Ça fait un jour de travail de plus quand même, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc je ne suis pas d'accord. C'est vrai ça. J'avais pensé aussi me faire... Un t-shirt, tu sais, ces Américains sont très t-shirt et compagnie, en disant « bye bye » de 29 février 2024, ouais. Tu vois, un truc comme ça. C'est pour les gens qui sont nés le 29 février, moi. Je... Oui, c'est assez amusant. C'est spécial. Bah, ils vieillissent moins, forcément. Ah, c'est bien connu. Monsieur Stéphane, oui, on n'importe quoi, là. Encore plus de bêtises. Oui. On va se quitter. Mm-hmm. On va dire le mot de la fin. Évidemment. Allez-y. Mais nous... Wish it water. I think that one's full. Alors, voyons, c'est la Triple Dog. Mm-hmm. Elle est... J'arrive pas à me lire. Voilà, monsieur Stéphane, alors que le concert de Tondeuse à Gazon continue, nous allons écouter le... Eh bien, le... De quoi ? Il est passé en seconde, c'est pour ça. Ouais, je reprends.